Champion MMCL, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shadowverse. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série Shadowverse qui est 2 jours plus tard. Ouais. Pourquoi aussi rapidement que ça j'ai une autre vidéo? Je m'explique tout de suite. Bon, d'abord nous allons faire l'histoire avec Irka. La raison à laquelle que je fais déjà une vidéo de Shadowverse de 1 à 50. Mais la principale raison n'est pas cela, parce que j'ai mal calculé le mois. Ouais. J'avais remarqué que j'avais mal calculé le mois, puis j'avais corrigé le tout. Mais, on dirait, en corrigeant, j'ai pas plus bien calculé, on dirait. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est ça. Puis j'ai décidé, je savais pas quoi faire, j'ai décidé, pourquoi pas refaire du Shadowverse. De toute façon, je suis pas perdu. De découvrir le reste de l'histoire. Vraiment. Sachez que dans 2 jours que je vais essayer de cette semaine, vraiment, aujourd'hui on est lundi. Dans 2 jours, je vais essayer de faire une vidéo, puis de, bien sûr, le meilleur moment pour vendredi. Puis la semaine prochaine, alors, le cours. La semaine prochaine, le déroulement normal, voir. Absolument, je sais pas si vous avez remarqué, je regarde quand même un certain rythme de 2 vidéos par semaine, dont généralement une mardi puis une vendredi, mais ça arrive des fois que je décale un mercredi ou même un samedi. Donc ça devrait être le contraire, un lundi puis l'autre jeudi, ou un lundi puis l'autre vendredi. Quelque chose en même. Mais c'est pas grave. Que j'avais manqué une vidéo, cette vidéo là, bah pas celle là, mais la prochaine vidéo ça va être celui qui va que j'ai annulé complètement, mais c'est pas la même affaire, je vous dis tout de suite, et juste j'explique des choses comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, si j'explique des choses sur ma chaîne. Bien sûr on fait Irka, on va faire 2 fois le personnage. Ça se pourrait que je refasse le même scénario une deuxième fois, parce que c'est avec ma seconde chaîne, c'est ce qui est arrivé. Ah. Une facile, une difficile. Je prends juste, j'ai 4 vidéos, dont j'en ai juste fait 6 à peu près. Dont la dernière, c'était long, puis j'en ai juste fait 1. Mais là, faisons ceci. Sachez que je sais que c'est moi que je mets manuellement, puis j'ai remarqué aussi que pendant le montage qu'il manquait une musique. Ouais, que je vais essayer d'aller le chercher, peu importe la façon, mais je vais essayer d'aller la chercher. Urgas à présent libre de ses mouvements, Irka craint que la sécurité de la princesse soit compromise et décide de retourner au palais royal. Pas fait de nouveau. Je vais le faire quand ça va me tenter. Dites-moi où se trouve le Zarya. Cette voix. Peut attaquer. Laisse-moi te prêter mes fortes. Je le savais. Je la croiserais à un moment donné. Je le savais. Ah. Un peu avec ma chaîne secondaire, on l'a vu l'histoire avec le Zarya, mais là on le voit avec Irka cette fois-ci. Cette fois-ci on va le combattre, mais ça faisait avec Irka et non le. Pas le Zarya, mais. J'ai oublié son nom. Et elle là. De forme, ces créatures savent donc nous. Nous recopier ou quelque chose en même, je l'ai pas vu. J'étais tout petit peu trop vite. Je vais leur régler leur compte en 2 temps 3 mouvements. À 2 contre 2, faisons-leur avouer où se trouve mon ami. Musique honnêtement. Bon, je suis en second, ça va bien là, je suis bien souvent en second. Les deux, je vais les garder. Attends un peu. Il fait quoi? Il voit que je vais lui. Bon, je vais le garder.
fais des petites cartes. Toujours utile. J'ai juste pas de une carte de A1. Ça va bien mon affaire, hein? Je suis peut-être en avantage par défaut parce que moi j'ai 20 ici puis 10. Bon fort c'est deuxième c'est second hein. Bon fort là-dessus, à date. Je vais prendre lui. Non lui, même si je pourrais avoir deux cartes. Ce serait pas une mauvaise chose d'une certaine façon. Ok. Oh, il a repris sa carte. Oh, ok. Merci. C'est là que tu me donnes un 1. Ah. Bon, de toute façon, je vais l'utiliser. Je vais aller avec lui par contre. Juste pour ça. Là, j'ai 3 cartes. Puis je vais pouvoir directement l'attaquer. Moi j'attaque directement le meneur parce que sachez que dans des combats tout ça en multijoueur le monde vaut vraiment avec le meneur et non avec les cartes. Comme ça en même temps, c'est une bonne stratégie aussi. Si tu peux bien sûr, ça te fait une défense en même temps. On va aller avec lui. Puis attaquons comme cela. Mais c'est bien. On peut revoir, exemple, si on vous suivez ma seconde chaîne, vous pouvez voir Lozaria. Non. Erza ou Lozaria? Je sais plus. Mais elle, pas elle vu que c'est pas vraiment elle. Mais ce personnage-là, l'image de ce personnage-là. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est bien qu'on peut revoir, recroiser chaque personnage. On peut savoir l'histoire vraiment de tout ce qui s'est passé. Embuscade. Allons avec ça. Je vais attaquer comme ceci. Et faire évoluer. Sachez que dans la dernière vidéo, j'ai pas fait d'évolution. Aucunement. 3, 6, je ne veux pas attaquer. Je veux juste augmenter parce que au moins on peut le choix de prendre lui ou lui pour détruire lui. Malgré que j'ai toujours l'autre qui est quand même assez élevé. Ah, c'est pratiquement fini là. Ah, c'est du bien de savoir ça. Il n'y a pas de gardien. C'est correct là. Juste avec lui, je le détruis. Juste avec lui. Bah avec juste avec un je le détruis mais avec les deux ça fait moins quelque chose mais de toute façon il va pas survivre. Voilà. Ah il décide de m'attaquer de même. D'accord. De toute façon c'est moins deux pour lui. Et voilà, c'est terminé. Lozaria, je n'ai rien pu faire. Vous avez gagné. Vous gagnez plutôt. Et voilà. Continuez. Ah, ça va bien aujourd'hui. Les courtes parties. Ils ont disparu. Ces créatures usent d'une force mystérieuse pour se dupliquer. Erza et toi? Je savais que c'était pas Lozaria, je savais. Je sais plus. Erza, ouais. J'étais plus sûr. Elle revoit les personnages, mais avec un autre personnage. Merci de sauver la vie. Ce n'est rien. Saurais-tu pourquoi ces créatures t'ont attaqué? Non, rien. Non, je ne sais pas vraiment. Je vais ma meilleure amie.
Je vais la retrouver. Elle a toujours été là pour moi. Cette fois-ci, c'est à mon tour de l'aider. Je te comprends bien fort. Moi aussi, une personne proche de moi. Et un ami à toi? Pas exactement. Mais je donnerais tout pour la sauver. Heureux de se dire que rien ne pourrait nous séparer. Ton ami a bien de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Courage de parler avec toi. Merci, je suis sûr que tu la sauveras. Mon ami m'attend. Prends soin de toi et bonne chance. Arza, on la voit. Bah, on voit Irka avec le scénario d'Arza dans le deuxième scénario, si je me trompe pas. Vous décevrez pas, votre Altesse, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Urias. C'est déjà la troisième terminée. Et là, on est le ténébreux. On remonte, on descend, puis là, on remonte. Avec Darisa, Irka retourne à la fois dans la réussite de sa mission. Ça recommence. Ça n'en finit jamais. Roran, si je me trompe pas. On dirait que quelqu'un s'est fait attaquer. Qui es-tu? J'ai l'impression de connaître cette personne. Appelez-moi Irka. Irka Sumer. Oh mon Dieu. Irka Sumeragi. Je le prononce peut-être mal, mais. Un nom bizarre. Sumeragi. Ok. Tout sauf. Vous êtes de l'armée royale, n'est-ce pas? Laisse-moi vous prêter main forte. Venu. On me nomme Roran, je t'en laisse un. Dragaspear, le commandant des troupes royales portées disparues. Dragaspear. Ok, je pense que c'est correct. Ceux sont ses patientes, puis veulent nous combattre. Reprennent l'apparence de eux. En garde! Je suis prêt. En même temps, je donne des indices pour moi-même. 1, 2, 2. Oh, je fais rien. Je donne des indices pour les musiques en même temps. De toute façon, c'est la musique de Roran. Très belle musique, j'aime bien. C'est comme si on l'attaquerait. L'inverse de notre reflet. Oh, on en a deux en plus, je suis pas formidable. On peut déjà attaquer. Oh, c'est pas formidable. J'ai un avantage, mais de pas beaucoup cette fois-ci. Je suis peut-être premier, mais j'ai là 5 points de vie de plus que lui. Non, je suis en second. Hey, j'arrête pas d'être en second, moi, depuis quelqu'un. Avec Arza, par contre, ça arrivait de temps en temps que je suis en premier, là, mais là, toujours en second. Embuscade. C'est un art, prévolution. Ça, c'est un sort ou une amulette. Il fige autant de dégâts à un combattant adverse qu'il y a de combattants sur votre plateau de jeu. Ça, c'est une amulette. C'est un sort. C'est pas une amulette, mais un sort. Je prends celle-là vu qu'il y a plus de points. Quand je dis de points, c'est de bouclier. Lui va m'attaquer, il va détruire mon. Ah, ok. Finalement, il décide d'attaquer lui. J'ai un 3 ici, mais. Tiens. Et tiens. Ce qui est bien, c'est que je peux attaquer deux fois au lieu de 1. Ce qui est formidable.
Ça, c'est un amulette ou un sort, je sais pas. Pas encore, du moins. Donne 2 plus 2. Donne 2 plus 2 à un de vos combattants. C'est un sort. Bon, que prendre? Je vais prendre lui avec plus de boucliers. On y va avec ça. J'ai 10 d'avance. Qui est bien. Ça, c'est le combat difficile, celle-là. Un combat facile avec un combat difficile. Un combat facile, un combat difficile. Mais là, je suis un tout petit peu mal pris parce que là, je vais pouvoir reprendre le gardien. Le problème. Lui, je le bats en deux coups. Malheureusement. Je savais qu'il aurait survécu, mais je le bats en deux coups. Non, moi j'ai un gardien moi-même. Puis il va pas. À moi qui évolue une carte, il va pouvoir me le détruire. Mais sinon, il ne peut pas me le détruire. C'est ce que je disais. À moi qui évolue une carte. Fuck. Ça va mal là, j'ai quand même un peu. Lui c'est quoi qu'il fait lui? Il fait juste un dégât qui récupère. Je vais mettre lui. Et là je vais mettre lui. Je vais enlever. Ah, j'ai quand même juste deux fois. C'est sûr que j'aurais enlevé celui qui a du bouclier. Là. J'aurais peut-être dû faire ça, peut-être. Ouais, il repense, hein. Bon, de toute façon, il survit pas, veut pas. Puis moi, c'est d'ailleurs. Ouch. C'est que j'ai pas des très 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 bonnes cartes. Alors, c'est ça qu'il a fait. Est-ce que c'est un gardien qui sent maintenant? Très bien. Non, c'est même pas un gardien. Si, j'en veux le gardien tout de suite, comme ça va être fait. Ça va un peu mal, mon affaire. Voilà, c'est terminé. Ah, c'est pas évident quand même le jeu. Oh mon dieu. Suite, aujourd'hui, vous allez savoir la suite dans la prochaine vidéo parce que c'est déjà terminé pour cette vidéo. Je sais pas, c'est arrivé la même affaire avec l'autre, avec Arisa. Même place, je plante. Qu'est-ce que je vais faire? Si je pars encore une fois, je vais le recommencer, je veux s'attendre que je réussisse. Juste pour vous éviter de refaire ceci continuellement pendant un méchant bout. Heureusement... pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Oui, je suis pas le meilleur là. Bon, en plus, ils m'ont pas de l'affaire aussi. Des fois, faut que j'aille des bonnes cartes. Là, oui, au début, les cartes étaient correctes. J'ai pu partir, mais j'ai pas pu persister parce qu'ils me donnent là, ils me donnaient plus de bonnes cartes ou de cartes. Ils me donnaient un peu trop de sorts, je trouve. C'est ça l'affaire, c'est que j'avais un petit peu trop de sort là, il me donnait quand même des bonnes cartes, mais pas assez pour pouvoir survivre. C'est ça l'affaire aussi, il y a la technique, mais aussi il faut avoir les bonnes cartes. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadowverse, qui sera le mois prochain, voire dans 2 mois peut-être, que je pense que le mois prochain, tout est fait. Ça va peut-être être dans 2 mois. En même temps, ça compense le prochain mois s'il l'a pas. Sinon, c'est exemple, si je coupe une vidéo ou quoi que ce soit, il y a de quoi, je peux toujours prendre le Shadowverse comme, d'une certaine façon, bouche-trou. Et un peu comme Hearthstone que je faisais, mais la différence c'est que celle-là il m'intéresse un tout petit peu plus que Hearthstone. Ouais. Pourquoi? C'est l'histoire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Ou je sais pas. Non, c'est plus si j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais l'histoire me fait accrocher sur le jeu. Sans l'histoire, ça, je serais débarqué depuis longtemps. Je vous le dis tout de suite, mais l'histoire. Me fait embarquer, en plus je joue pas tout le temps, je joue uniquement en vidéo. Sauf! Par contre, je peux pas dire le contraire que j'ai pas fait des parties, pour pas faire l'histoire, j'ai fait de l'entraînement. Ou du bataille multijoueur. Ouais, je suis débutant. Moi, je suis pas si... En multijoueur, je suis pas bon. J'ai de la misère, pas à peu près. Bataille libre, bataille classée et salon. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.